Tu vas chanter pendant toute la vidéo ou... Par la maman. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul and try on. Je vais vous parler des achats que j'ai fait. Bon, j'en ai pas fait beaucoup, mais quand même, en fait, il y a des produits qui coûtaient super cher. Et attendez, faut que je vous raconte ce qui s'est passé. C'était genre un truc de ouf, mais genre le truc de ouf que tout le monde aimerait que, tu vois, tu sais, ça arrive quand vraiment tu t'y attends pas, et là c'est vraiment le cas de le dire. Donc en fait je vais vous montrer des petits achats que j'ai fait aux États-Unis parce que récemment je suis allée à New York pendant 3 jours avec Becca Cosmetics. Je suis partie faire mes achats chez Sephora, j'étais avec Sandrea, donc on était les deux francophones à être invitées, et du coup on est parti faire nos achats chez Sephora. Comme toujours, tu sais, même si t'as tous les produits du monde, genre c'est pas comme si je manquais quelque chose, t'es obligée d'aller chez Sephora US, t'es obligé, c'est genre le passage obligatoire. Et du coup je me suis dit, je vais vous les montrer, en même temps je vais les tester sur moi comme je l'avais déjà fait auparavant, vous avez kiffé ce format, donc je me suis dit pourquoi pas le refaire, et voilà. Et du coup j'en ai eu pour quasiment, non c'est même pas quasiment, j'en ai eu pour 497$ très exactement. Et quand la nana m'a annoncé ce prix là, je me suis dit mais pourquoi. Du coup le lendemain soir il y avait la soirée Becca. Et à un moment donné, ils nous disent, ouais, on se rejoint tous à bon, ma Snap Ananas. Pour tous ceux qui me suivent sur, Insta aussi, j'avais fait des Insta Stories. On était à la soirée Becca, et du coup, à un moment donné, ils nous disent, ouais, tout le monde rendez-vous au deuxième étage à la piscine. Donc on descend à la piscine, il y a une surprise et tout, machin, donc on atteint la surprise. Et là, il y a les mecs, il y avait des mecs à moitié à poil, genre en maillot de bain, tout ça. Ils plongent dans la piscine, et moi, je suis là, dans ma tête, je me dis, c'est ça la surprise, quand je veux dire, les mecs qui plongent. Yeah. Je suis sur mon téléphone, j'étais en train de vous slapper, j'entends and the winner is Sana. Et je calcule pas tout de suite, je percute pas. Et je me dis mais je viens d'entendre mon nom. Du coup je lève la tête et je vois tout le monde en train de me regarder. Je me dis mais il se passe quoi et tout. Et je regarde Sandrea, Sandrea me regarde et moi je regarde les gens. Et je me dis mais pourquoi tout le monde me regarde et comment ça the winner, j'ai rien fait. J'ai rien fait quoi. Et du coup la nana me dit en anglais, ouais du coup pendant la soirée il fallait poster des photos avec un hashtag et tu l'as fait, et tu es celle qui a posté le plus, machin, qui a lu le plus de je sais pas quoi. Et je la regarde genre ok, bah c'est cool, je suis contente, je ne le savais pas et tout. Et elle me regarde en mode est-ce que tu peux arrêter de me foutre la honte et venir à côté de moi. Donc je me lève, je vais à côté d'elle et elle me dit oui, tu as gagné une carte cadeau Sephora d'un montant de 500$. Et là je repense au fait que la veille, j'ai dépensé 500$ chez Sephora. Je me dis, mais pourquoi? Le lendemain, on avait juste quelques heures et j'avais pas forcément envie de refaire des achats ou quoi que ce soit, ou bref. Ce que j'ai fait, c'est que j'y suis retournée et bah, je leur ai dit, écoutez, je vous redonne tout et je reprends avec ma carte cadeau que j'avais pas trouvée la veille. Et même si je lui aurais pas dit ça, hein, aux États-Unis c'est vraiment bien parce que même si vous avez acheté le produit, vous le voulez pas, vous pouvez vous rembourser. Même si vous l'avez swatché, ouvert ou quoi que ce soit, et ça c'est juste génial. Franchement, je sais pas pourquoi en France on a des règles différentes. En France, si jamais vous testez un fond de teint, une palette ou quoi, on vous dit c'est mort. La nana elle est comme ça, elle analyse avec une loupe, elle te dit no way, on te reprend pas ton produit. Alors qu'aux États-Unis ils te le reprennent, ils te le remboursent et tout, et ça c'est bien. Bref, du coup j'ai repris mes achats avec ma carte cadeau et je crois que j'ai même racheté 2-3 produits en plus. C'est limite la fille, non, on t'a dit c'est bon, t'as pas besoin de dépenser pour une fois dans ta vie quand tu fais ton shopping, mais t'es quand même obligée de racheter un truc. Genre la fille obsédée par le maquillage. Bref, on commence tout de suite. Donc j'ai acheté quelques soins. J'ai acheté le soin Kate Somerville qui est un exfoliant intensif apparemment. En plus d'être manuel, ça a quand même un effet pas chimique. Mais voilà, Sandrea, elle me disait que c'était un exfoliant vraiment très très intense et qu'il était absolument génial. Donc j'ai vraiment hâte de le tester. Je me suis pris aussi une petite routine Murad. Bon, vous savez que j'adore. J'adore les produits Murad et c'est vrai qu'en France on a du mal à se les procurer, notamment la gamme à la vitamine C. Et celui-ci, ouais c'est la vitamine C celui-ci, enfin bref la gamme orange. Et du coup je me suis repris le sérum que j'adore, que je viens de reterminer d'ailleurs, et je me suis pris la crème détoxifiante je crois pour la nuit. Donc voilà, je me suis repris ça et franchement ils sont pas donnés les produits Murad, mais qu'est-ce qu'ils sont bien, ils sont vraiment bien. Du coup on a eu les petites on a eu pas mal de bases donc de chez Becca qui viennent de sortir. Je pense que je vais vous faire un concours sur mes réseaux sociaux très bientôt, donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets les logos juste ici, vous les avez toujours en fin de vidéo ou en barre d'infos. Et je me suis pris quoi, je me suis pris aussi la crème Glam Glow parce que ça j'arrêtais pas de l'avoir dans la vidéo des sur les réseaux sociaux et dans les vidéos des américaines, et je crois qu'elle est pas encore sortie en France.
confiance et je sais que parfois je reçois les produits Glam Glow, mais voilà, c'est pas parce que je les reçois en fait que, enfin moi j'ai pas la patience d'attendre, je suis désolée, donc je vais moi je suis partie me l'acheter moi-même. Et du coup c'est une crème hydratante, c'est la Volcasmic, c'est une crème hydratante lumineuse et mate. Est-ce que vous vous rendez compte? Si le truc il est mat mais lumineux, mais je crois que c'est ce que tout le monde recherche en fait. Enfin moi personnellement, matte glow. Et ça m'a toujours, à chaque fois que je la voyais cette crème là, je me disais mais punaise j'ai trop envie de la tester, comment ça matte glow? Et voilà, du coup je me la suis achetée, pareil elle est pas donnée. Mais bon les produits Glam Glow ils sont vraiment bien, lumineux et mat, hydratation intense, léger, nourrissant, lisse, souple. Donc voilà les petits adjectifs qui sont notés sur la boîte. Donc la crème se présente comme ceci, on a 50 ml. Très franchement je saurais pas vous dire les prix, hein. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et s'il n'y a pas les liens français, je vous mettrai les liens vers Sephora US, juste pour que vous voyez les prix, la description et compagnie. Je sais pas ce que c'était que mon truc. Elle est hyper épaisse, c'est une texture vachement épaisse, regarde. Je m'attendais à ce que ce soit une crème hydratante. Enfin voilà quoi. Et c'est hyper épais. Et ça me rappelle un produit que j'ai testé de chez Armani. J'ai fait un shooting récemment avec Armani. Et du coup, le maquilleur, le make-up artiste Jean-Charles, il me maquillait. Et avant de me maquiller, il m'a appliqué une crème hydratante. Et je crois que c'est un peu le même système d'ailleurs. Qui apporte un glow mais qui matifie en même temps. Ça sent les agrumes légèrement. Ça sent légèrement les agrumes, mais du coup, bref, je disais, c'est un petit peu la même texture, c'est mat. C'est mat, c'est épais, et une fois que vous la prenez, en fait, elle devient un petit peu veloutée. Punaise, il y a ma soeur qui vient d'arriver dans la pièce. Je ressens la pression d'un coup, en mode, dépêche-toi, on a un rendez-vous juste après. J'ai accéléré. Fallait que je raconte mon histoire de la carte cadeau Sephora. C'est genre le truc qui n'arrive à personne et qui arrive quand tu t'y attends pas. Et donc, pour... À chaque fois que les gens ils disent ouais ça arrive au moment où tu t'y attends le moins, ok je comprends, ok. Elle pénètre hyper facilement et instantanément, on n'a pas un effet gras et ça j'adore parce que en général les textures un peu épaisses comme ça, un peu beurre, tu te dis ouais je vais avoir la peau qui devient grasse, mais en fait non, et on a ce petit effet mat, du coup on brille pas à fond, on a ce petit effet mat mais on garde le glow. Volcasmic, il doit y avoir des trucs de volcan dedans, non? Faudrait que je lise la description des ingrédients. Non, c'est pas con ce que je dis, Volcasmic, Volca, tu te dis, il y a des trucs en rapport avec le volcan. Je peux pas te maquiller là-bas. Ensuite, je me suis pris plusieurs fonds de teint, donc je peux pas tous les tester en même temps, on est d'accord, j'ai pas 36 000 visages. Mais je me suis pris deux fonds de teint Hourglass. À chaque fois j'essaie un petit peu de prendre des marques qu'on a et d'autres qu'on n'a pas forcément, parce que c'est aussi ça l'intérêt de faire ses achats dans un autre pays, mis à part les prix bien sûr. Et du coup je me suis quand même pris deux fonds de teint. Bon, on n'a pas la marque Hourglass, pas encore, je crois pas. Si jamais je trouve des liens je vous les mets en barre d'infos. Je me suis pris le fond de teint Hourglass Veil, qui est censé être un fond de teint fluide, non gras, avec un SPF de 15, mais qui apporte énormément de lumière, qui est censé flouter les imperfections. Je crois qu'il y a une action anti-âge dedans, je suis pas sûre à 100%. Mais voilà, qui est censé apporter beaucoup de lumière. Et moi, c'est le fond de teint qui me de chez Hourglass qui me donnait envie. Je me suis dit, s'il y a bien un fond de teint qui me correspond sûrement, ça doit être celui-ci. J'ai aussi acheté celui-ci sous les conseils de Sandria, qui l'utilisait pendant qu'on était là-bas. Elle me disait, mais c'est une petite dinguerie et tout, tu devrais te l'acheter, machin. Et je lui dis, t'es sûre? Parce que les produits Hourglass, ils sont pas donnés du tout et tout. Et j'ai pas vu de revue dessus. Elle me dit, ouais, moi je l'aime trop. Et c'est vrai que le fini sur elle était joli, c'est mat, mais pas cakey. Et il est quand même lumineux, donc bon, à voir. Après, ça dépend du type de peau de chacun. Donc c'est le Vanish. Fond de teint en bâton a fini homogène. Et moi en général je n'aime pas les fonds de teint en bâtonnet comme ça. Genre le Anastasia Beverly, je le trouve bien, mais pas pour moi. C'est parce que je... Peut-être un peu trop mat pour moi, un peu trop... Ça manque de glow, etc. Moi, vous connaissez un petit peu le genre de fond de teint que j'aime, vu que j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai le lien là ou en barre d'infos. Et du coup, j'avais un peu peur. Elle me dit non. Elle me dit franchement, Sana, il est en bâton, mais quand tu l'appliques, il devient quand même assez... pas fluide, mais quand même. Et donc, je lui ai dit ok, je l'achète. Donc, je le teste en même temps, parce que c'est celui-ci que j'ai envie de... Non, quoique. Non, on va pas mettre celui-ci aujourd'hui. Non, on va pas mettre celui... Je sais pas.
Non, on va mettre l'autre. On va mettre l'autre parce que celui-ci, je l'ai déjà testé et c'est vrai qu'il était vraiment pas mal. Mais du coup, je l'ai rendu le lendemain à Sephora. En plus, c'était pas la bonne teinte, donc je suis contente. Et là, j'ai repris ma teinte exacte. Mais je le garde. Ce serait pas mal de vous faire des premières impressions, de l'utiliser dans une autre vidéo. Et je me suis pris aussi le Waterweight de chez MAC que j'ai pris en NC30. Mais je crois qu'apparemment, il faut prendre une teinte au-dessus pour ce fond de teint-là et je ne savais pas. Donc, j'espère qu'il sera pas trop clair pour moi. On peut tester celui-ci sinon. Ouais, on va tester celui-ci. On teste celui-là, puis au moins il est vendu en France, donc c'est peut-être plus intéressant pour vous, donc on va tester celui-ci. Oui, je pense à vous. C'est un fond de teint qui se veut comme étant un petit peu aussi léger que de l'eau, mais quand même avec une bonne couvrance, avec un fini poudré. Il a un SPF de 30, et ça apparemment, ça c'est Julie qui en avait parlé la dernière fois, elle m'avait grave donné envie. Oh, ah non, il m'a l'air un peu rosé. Pourquoi il m'a l'air rosé? Oh, je crois qu'il va pas m'aller au niveau de la teinte. Quoique. Non, ça a l'air pas mal. C'est ce fond de teint qui a une odeur ou c'est le gel douche avec lequel le truc il a été lavé? J'ai l'impression de sentir une odeur un peu de patchouli ou je sais pas quoi. La fille elle est très précise dans ce qu'elle raconte. Une odeur de patchouli. Ça sent le fond de teint. Tu nous as vachement aidé là. C'est vrai en plus. Elle a dit ça sent le fond de teint quoi. Ça a l'air d'être le genre de fond de teint que j'aime. Ça va pas camoufler intensément. Mais il est hyper naturel. Il est joli. Il a un joli fini. Je me suis racheté un crayon Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony parce que j'étais en galère là-bas. Je me suis dit punaise, j'en ai 30 000 chez moi. Mais bon, c'est pas très grave. C'est le genre d'achat moi qui me fait pas mal au cœur d'en acheter 1000 vu que c'est clairement le genre de truc que je finis... super vite. Je vais juste remplir. Moi j'aime bien remplir mes pointes et arrondir légèrement en ce moment. Et après avoir rempli vos sourcils, il faut toujours brosser. Toujours brosser pour estomper et avoir un effet le plus naturel possible. Bon, j'ai un peu foiré mes sourcils, mais c'est pas grave. J'en ai fait un plus fin que l'autre, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. J'ai ma sœur qui me fout la pression internationale et j'aimerais bien m'enlever cette étiquette de tu es toujours en retard, je vous l'avoue. Franchement, j'avoue. Côté anti-cerne, j'en ai racheté un mais que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo anti-cerne que j'ai certainement mise avant cette vidéo ou après, je sais pas trop, qui est l'anti-cerne Double Wear Estée Lauder, le Stay in Place Flawless Wear Concealer qui est juste pour moi l'un des meilleurs. Qui tient toute la journée, il est bien couvrant, il est vraiment vraiment bien. Et du coup je l'ai racheté là-bas parce que ma teinte j'ai du mal à la trouver en France ou du moins sur internet. C'est la 2W Light Medium Warm. Donc je vais venir utiliser celui que j'ai déjà ouvert. Mais non Bulma, non, tu vas faire tomber mes produits. Dis bonjour. Hey. Cet anti-cerne il est vraiment beau. Non Bulma. Il y a un problème avec mes sourcils là j'ai l'impression. Bulma. Je suis allergique, je suis désolée. C'est l'une des nouveautés de chez BK Cosmetics justement, qui est censée être une poudre qui floute les imperfections, qui parfait le teint, et c'est la poudre floutante douce lumière Golden Hour, qui est comme ceci, j'adore le packaging, comme ça, et du coup bah, je vais l'appliquer sur la zone T du visage. Elle est légèrement dorée, je n'ai pas fait attention, j'ai pas regardé s'il y avait plusieurs teintes, je suppose que oui. Ou c'est peut-être une teinte un petit peu pour tout le monde, mais je crois pas vu qu'elle est quand même très dorée. Apparemment ça matifie mais ça garde quand même la lumière. Et c'est vrai, ça plombe pas. Pour le moment, ça ne plombe pas. Logiquement il y a un pinceau qui va avec, mais là pour le retrouver dans tout ce bazar, vous voyez pas la pièce là, hein. Oh, mais c'est une catastrophe. Elle plombe pas, elle fait pas d'effet d'effet plâtre, d'effet figé j'ai envie de dire. Vu que j'ai pas acheté de bronzer, je viens prendre ma petite palette de bronzer Charlotte Tilbury. En fait j'ai acheté un bronzer Make Up Forever il y a quelques jours, mais je l'ai pas acheté aux États-Unis donc je sais pas si... C'est pas grave parce que du coup faut que j'aille le chercher, il est encore dans le sac. En termes de blush, j'en ai pas acheté non plus parce que voilà, il n'y avait pas vraiment de nouveauté qui me tapait à l'œil. Mais récemment j'ai reçu le petit blush de chez Benefit qui est le California Living the California. Bon bref, le California de chez Benefit qui est trop joli, j'aime bien le packaging, c'est très Benefit, hein, c'est hyper joli, c'est très California.
Et ils sont super bons. Ils sont vraiment super bons. Il est trop joli. C'est un petit pêche corail hyper vif qui donne tout de suite bonne mine. Donc on va appliquer celui-ci qui est très lumineux en plus. Ensuite, question highlighter. J'en ai acheté un aux États-Unis. Oui, oui, j'ai acheté un highlighter. Oui, même si j'en ai 1000. Oui, j'ai acheté un highlighter Dior. C'est le Dior. Acheter du Dior aux États-Unis, par contre, ça. C'était dur pour moi. Je sais pas pourquoi, mais les marques comme ça, j'ai du mal à les acheter aux États-Unis. C'est le Dior Skin Nude Air Luminizer. C'est la poudre sculptante illuminatrice avec qui est fournie avec un petit kabuki que je n'utilise jamais. Comment tu peux fournir un kabuki avec un highlighter? Qui fait ça? Il est super beau. Il a un petit peu champagne. Il est trop trop joli. Donc voilà, je le teste en live avec vous. Puis bah voilà quoi, le petit packaging Dior, c'est trop beau. Et j'ai pas pu résister. Je vous avouerai que j'ai voulu être forte. J'ai vraiment voulu être forte parce qu'acheter du Dior aux États-Unis, ça me dérange. Mais j'ai pas réussi à être forte. Oh, il est beau. Il est beau. Il est pas hyper méga pigmenté. Il est pas hyper chargé niveau pigment. C'est pas hyper chargé quoi, niveau nacre. Mais c'est joli. Ça vous donne un glow limite naturel. Et la couleur, elle est vraiment belle. On a terminé avec le teint. Je vais pas faire quelque chose de too much au niveau des yeux parce qu'aujourd'hui, j'en ai pas forcément envie. J'ai plus envie de miser sur le rouge à lèvres. Aujourd'hui, j'ai envie de mettre un truc assez, assez dark. Donc, pour les yeux, je vais faire un truc assez soft. Et je me suis acheté la palette Tartiste Pro de chez Tarte. Que j'ai trouvé vraiment trop jolie. Comme si j'en avais pas assez, je le sais. Mais vous me connaissez, je... Alors elle se présente comme ceci, les couleurs elles sont magnifiques, donc il y a une majorité de fards mat en fait, et à côté on en a 4 irisés qui sont super beaux. Par contre j'ai été un petit peu déçue parce que lors de la soirée je voulais mettre celui-ci et la pigmentation n'était pas au rendez-vous, mais du tout. Donc voilà, j'espère que c'est pas le cas pour toutes les autres. Mais bon, j'étais vraiment déçue quoi. Donc je vais venir prendre la petite fard, le petit fard Innocent qui est un genre de beige rosé que je vais venir appliquer au niveau du creux de ma paupière. Et comme je l'ai dit, je vais faire un truc assez, assez rapide. Hein. Je crois que je vais même mettre que 2 teintes au niveau des yeux. Ensuite, je vais venir prendre le fard Edgy qui est juste ici. C'est un fard marron assez intense, mais que je vais venir mélanger avec le fard Bold qui est un beige un peu moins intense. Et je vais venir appliquer les deux au niveau de ma paupière mobile. Pour avoir un truc un petit peu marronné, mais pas... pas smoky quoi, pas too much. Ensuite, je viens prendre un fard un petit peu plus précis. Celui-ci, c'est un pinceau de chez NYX. Et je vais venir prendre le même marron, mais tout seul cette fois-ci, le marron qui est juste là. Regardez-moi ces deux couleurs prunes là. Faut que je fasse un truc grosse prune, un tuto, parce que là, cette palette, avec cette palette-là, parce que les couleurs, elles sont trop belles. Et je vais venir appliquer le fard uniquement au niveau du ras de cils inférieur. Voilà, je vais pas en mettre plus que ça, ce qui est déjà pas mal pour ce que je voulais faire et ce que j'avais en tête. Ensuite, je vais en prendre mon eyeliner pareil que j'ai acheté là-bas, c'est le Tartiest Clay Paint Liner Eyeliner Peinture d'Argile. Et ça fait super longtemps que j'ai envie de le tester celui-ci et que je me lance enfin. En fait, c'est un petit eyeliner qui est dans un petit tube et qui est fourni avec un pinceau comme ça. Et en fait, vous faites couler l'eyeliner... Et vous prenez la matière avec le pinceau et vous venez l'appliquer. J'adore le packaging et tout. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps avant de le tester. Ne me demandez pas. Bon après j'ai pas non plus le même engouement pour le liner que pour l'highlighter par exemple. Oh, j'en ai trop mis. On va voir ce qu'il donne. Celui-ci il avait fait le buzz. Apparemment il est extrêmement noir et tout. Let's do it. Il est bien noir. Il est pas mal, hein. Pour moi, il faut quand même remplir une deuxième fois pour avoir un effet extrêmement black. Je vais pas avoir une autre chanson dans la tête que le temps passé, passé, passé. Beaucoup de chansons ont changé. Déjà que tu me mets la pression, en plus tu parles d'une chanson qui me dit que le temps il passe vite. Même la pointe du pinceau, elle est parfaite. Je suis agréablement surprise. Ah non, il est vraiment bien. Franchement, si vous avez l'occasion de l'acheter celui-ci, si vous avez envie de tester un nouveau liner, il est vraiment facile à appliquer. Il glisse super bien. La pointe, elle est vraiment parfaite. C'est très précis.
Et il est vraiment black. Genre celui-ci, j'ai même pas eu besoin de remplir une deuxième fois. Je pense que celui-ci, c'est parce que c'était le premier jet de liner qui était tout en haut, je sais pas. Mais franchement, il est super bien. J'ai les cheveux électriques, chose qui ne m'arrive jamais. Ils sont hyper électriques. Je sais pas ce qui se passe. Bref, je viens d'appliquer mon mascara. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas le temps d'appliquer les fossiles. Donc c'est le volume de chez Chanel, of course. Et je me suis acheté 4 rouges à lèvres MAC aux États-Unis. Qui ne sont, je crois, pas encore sortis en France. Ou peut-être que quand je posterai cette vidéo, ils seront déjà en ligne ou quoi que ce soit. Si c'est le cas, bah, je vous le mettrai en barre d'infos. En fait, je me suis acheté 4 nouvelles teintes de liquide mat. Vous allez me dire, Sana, on dirait juste les mêmes. Bah, c'est la même couleur en variante plus claire à plus foncée. Enfin, ces 3-là, on dirait. Ouais. Et du coup, aujourd'hui... Mais t'as vu, elles sont jolies, les couleurs. Hein. Ouais, je me suis pris le So Me, qui est comme ceci, qui est un peu un vieux rose violine super beau. Je me suis pris le Simply Smoked, qui est un genre de parme gris très fumé. Franchement, le mascara Chanel. Je me suis pris le Espresso, qui est un petit peu plus de marron, l'impression il est plus foncé. Il est là, il est légèrement plus foncé que celui-ci. Et je me suis pris le Flesh Stone. Donc c'est vrai que comme ma sœur le dit, on dirait les mêmes, mais du plus clair au plus foncé, quoi, tout simplement. Et moi, vu que je ne sais pas choisir dans la vie, je me suis pris les 4, en fait. Donc, je sais pas trop quoi mettre aujourd'hui. Je sais pas ce qui irait le mieux avec ma tenue, avec ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vais mettre... Je mets quoi? Je mets lequel? Je pense que je vais mettre celui-ci. Ouais, je vais mettre celui-ci. Je vais mettre le plus clair de ceux-là. Donc, je vais mettre le Flesh Stone. J'ai un neveu, pareil, qui sait pas faire de choix. Qui reste 1000 ans et t'as juste envie de le secouer, de lui dire « Mais vas-y, dépêche-toi, là, on n'a pas le temps. » Hé hey, il a hérité d'autres choses bien chez moi. Non, c'est un mix. Végétal. Tu sais que je lui ai acheté le déguisement. Ça se fait pas. Bah quoi? C'est un déguisement. Je lui ai acheté de Superman. Pourquoi je lui achèterais pas? Il a celui... Il a celui de Spider-Man et des autres super-héros. Pourquoi pas Vegeta? Est-ce que Vegeta, tu veux lui acheter juste parce qu'il a un sale caractère? Ouais. T'es dégueulasse. Tu vas acheter petit cœur pour le plus grand. Franchement, ça se fait pas. C'est comme si tu lui achetais Krillin quand même. Hein. Est-ce qu'on peut prendre 2 secondes pour analyser cette couleur? Ouais, t'as que 2 secondes. Même mon moment de 2 secondes, t'es obligée de parler. Bon, du coup, j'avais acheté un autre fond de teint que j'ai oublié de vous présenter. C'est le Stay Luminous de CoverGirl Outlast en teinte 842 que je testerai dans une autre vidéo. Peut-être, pourquoi pas, dans des premières impressions, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Mais voilà, je sais que Julie adore cette marque-là côté fond de teint. Bon, pas tous, hein, mais voilà, j'avais envie de tester du coup. Ça fait super longtemps que j'ai envie de tester les produits teint CoverGirl. Et je crois que c'est tout ce que j'avais acheté aux États-Unis. Et pour tout ça, du coup, j'en ai eu pour 497$. Non, ah non, c'est sans compter MAC du coup. Sans compter MAC. Donc voilà, je suis bien contente d'avoir gagné ce concours Becca finalement. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées d'achat, que vous aurez tout simplement passé un bon moment. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur... Normalement, il y a un petit truc qui apparaît là où il y a ma tête dans un rond qui apparaît. Vous avez juste à cliquer dessus. Ou il y a toujours le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker si vous aimez toujours ce genre de format et que vous voulez que je continue de le faire quand je fais des achats. Voilà, c'est peut-être plus... Je trouve ça plus amusant d'acheter et de montrer que d'acheter. Bon, après ça dépend, mais dites-moi ce que vous préférez. En attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous dis à bientôt. Mouah.